Que faire de bon matin à 7h30? Un peu d'exercice physique, monter des marches pour aller au temple avant qu'il fasse trop chaud. J'ai pas pris mon petit déjeuner, sauf un petit chai au goût gingembre. Ça réveille, hein. Et voilà. Voilà les paysages que je vois de bon matin. Derrière là-bas, on aperçoit le lac sacré où je suis parti. Et maintenant, je monte. C'est rare en Inde. Enfin le silence. À part le chant des oiseaux, ça me dérange pas du tout. Hello, namaste l'oiseau. Ah oui, j'ai des amis qui m'attendent. Ils vont m'accueillir, ils vont m'applaudir, c'est sûr. Ils n'ont pas intérêt à me sauter dessus. Et là, ça apparaît. Coucou! Coucou! Vous avez bien compris que je veux pas rester longtemps avec eux, parce que s'ils me sautent dessus, c'est pas cool. Profite quand même de la beauté du lieu et surtout qu'il n'y ait personne. Un petit écureuil qui descend les marches. C'est plus facile à la descendre que monter. On monte, on grimpe. Bon allez, oula, ça c'est plus dur. Oh putain. Les marches sont très hautes. J'ai des grandes jambes, mais là... Wow. Pour descendre, on va rigoler. Je vais descendre sur les fesses. Je viens de dire, j'aurais dû prendre les télécabines. C'est vrai. Mais c'est trop facile. N'est-ce pas? Petite pause méritée. Car j'ai pas pris de petit déjeuner. Là je le sens. J'ai de l'eau fraîche, mais j'ai bu un petit chai avant de monter, bien sûr. Un petit chai au gingembre. Mais. Waouh! Et il est même pas 8h du matin. Mais bon, on a un super décor derrière, au calme pour l'instant, loin de la ville de Pushkar. Donc j'en profite de ce moment de plénitude, de calme, avant la tempête. J'étais réveillé ce matin à 5h30 du matin par les cloches. Parce qu'en fait, mon hôtel est près des guettes du lac sacré. Et en fait, c'est l'appel aux prières. Et donc, les gens, ils viennent, je pense qu'ils viennent, ils arrivent à 5h du matin déjà pour prendre des bains et faire des prières. Et vers 5h30, j'ai entendu du bruit et j'ai dû me réveiller. Il faut être matinal à Pushkar. Mais regardez cette beauté, ce décor magnifique, naturel. Tout ça pour ça. Et je suis pas monté jusqu'en haut. Apparemment, le panorama
et pas piquer les vers. Donc je vais finir mon ascension et voir ce qu'il en est. Mais là, c'est déjà très bien. Allez, c'est reparti. Enfin, un peu de vent. Ah, ça fait du bien. Et de calme aussi. Avec ce panorama, c'est juste magnifique. On entend des klaxons au loin, mais c'est pas à côté. Mais ça fait du bien. Seul. Quoi qu'il y a en fait en face de moi, derrière les rochers, des singes, une compagnie de singes. S'ils m'emmerdent pas, ça va, je vais pas les emmerder. Je les ai filmés tout à l'heure, à distance bien sûr. Je suis un peu moite. Après l'ascension, un petit café froid, ça fait du bien. Il est même pas 9h du mat. Thank you.
À l'hôtel et je fais une petite sieste d'une heure. J'étais très fatigué. Puis là, je suis reparti et là, je cherche un restaurant. Je voulais aller dans un restaurant, il est fermé à Barbouille, seulement en juillet. Donc voilà, là, je découvre un peu les lieux, les rues, le Pushkar.
Cool, Baba. It's you? It's yeah. You? Yeah, chai. Tea chai. Money. Yeah, chai. No money. Yeah, chai, Baba tea. Please. See, my friend, friend of money. Une chanson des Pink Floyd. Je ne sais pas, mais ouais, c'est ça devient lourd, très lourd. Mon ami, my friend. Namaste. Allô. Et donc c'est, il voit le touriste et on appelle le touriste, on lui saute dessus. À côté, je suis tout seul. Donc il saute sur le premier venu. Oh, le silence était là, il a disparu. Qui me poursuit. Amigo Mango. Amigo Mango. Yes, please. With your moustache. Donc là, je sors du restaurant Amigo Mango. Ce qui est rigolo, c'est que c'est un nouveau restaurant qui vient d'ouvrir. Non. Qui vient d'ouvrir, un nouveau restaurant qui vient d'ouvrir et j'étais le seul client. Ils m'ont sauté dessus et je demandais une ice cream et l'ice cream je l'ai eu au bout de 15 minutes à peu près parce qu'ils ont dû aller chercher une mangue au marché, la confectionner après, mais il y avait plus de chocolat chaud que de ice cream dedans. C'était pas frais, c'était très chaud.
gâteau au miel. C'est bon, ça passe. Mais c'est gras. Mais c'est bon.